sont calmes. Bien, on va pouvoir commencer pour ce qui est déjà notre 19e meet-up sur Docker en 2 ans. On va vous proposer un super programme ce soir, qu'on va vous détailler ici après. En fin de meet-up, il y aura, comme d'habitude, notre petite séance de, networking qui nous permettra de discuter autour de notre techno favorite, autour de quelques bières et pizzas que je ne manquerai pas d'aller chercher. Pour commencer, avant de parler du programme, je voudrais laisser la parole à nos deux sponsors de ce soir, à Marilyn de la Société Générale et à Jean-Louis Rigaud de Xebia. Honneur aux dames. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bon, ben, bienvenue ici. Donc moi, je suis Marilyn Piantoni, je suis la head chair qui s'incruste un peu ce soir. L'idée pour nous, c'est de dire que Société Générale recrute, Société Générale cherche des gens comme vous, des gens passionnés qui veulent travailler avec nous pour changer un peu le monde de la finance, rien que ça. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, si vous connaissez un peu nos projets, n'hésitez surtout pas à regarder l'offre qu'on a en ligne actuellement. Donc je ne sais plus si tu as notre slide ou pas, mais... Bon, on s'est coordonné aujourd'hui. Vous avez, on s'est coordonné à l'instant même. Ça, c'est nous. Vous avez à la sortie des petites affichettes avec donc un lien vers notre offre en ligne. N'hésitez surtout pas à postuler. Et puis, si vous avez des questions particulières, Adrien peut faire le point de contact. Parce que là, je vais vous laisser entre gens passionnés et discuter de toutes ces choses que je ne comprends pas au quotidien. Bon, bonne soirée à tous. Et puis à bientôt pour ceux qui voudraient nous rejoindre. Bonsoir à tous, Jean-Louis Rigaud de Xebia. Donc, je suis très fier de pouvoir co-organiser ce meet-up avec le Paris Docker Meet-up et la venue de Jérôme Petazzoni qui est venu faire la première formation officielle Docker en France chez Xebia. Et donc on a voulu vous faire un petit programme avec une présentation de Jérôme et deux retours d'expérience sur ce qu'on fait aujourd'hui chez Xebia autour de Docker. Je vais laisser la main à Jérôme qui va démarrer le meet-up. Donc on va avoir trois présentations ce soir. Une première de Jérôme hein, sur les... Appelle-moi les... Sur les storage drivers. La seconde qui sera faite par moi sur Jenkins avec Mesos, Marathon et Docker. Et une dernière qui sera un retour d'expérience sur du Docker avec du Mesos, du AK et je crois du Zookeeper aussi. Quelques joyeusetés. Donc je vais laisser la parole à Jérôme qui va démarrer sa présentation sur les storage drivers. Merci Jérôme. Merci, Jean-Louis. Bonsoir. Alors, ceci est un Mac, je ne sais pas comment ça marche. Non, tu le... C'est bon. J'ai foiré ? Non, presque. Alors, je vais commencer par un petit Public Service Advisory. Comment je mets en plein écran ? Comme ça, je crois. Voilà. Alors, déjà, je voudrais remercier beaucoup Adrien et Patrick, les Unsung Heroes de la communauté Docker de Paris. Il y a quelques temps, en fait, comme on avait des gens, en fait, au départ, on avait Jessie Frazel, une de nos core développeurs, qui est venue faire une conférence à Londres. Et du coup, comme Londres, c'est pas loin de Paris, on s'est dit peut-être qu'elle pourrait venir faire un talk ici. Donc, il y a Julien, chez nous, qui s'occupe de la communauté, qui les a contactés et qui leur dit « Bon, les gars, faudrait que vous organisiez un meet-up, là, parce qu'il y a Jessie qui vient en mode guest star et tout. » On fait « Bon, pas de problème, ils organisent un meet-up. » C'était la semaine dernière. Puis après, je pense... je sais pas si c'est quelques heures ou quelques jours après. Au fait, il y a Jérôme qui sera aussi là la semaine d'après. Donc tu peux organiser un meet-up, mais il faut faire plus gros parce qu'il faut qu'on ait crescendo. Alors ok, ils organisent un meet-up. Puis après, au fait, il y aura aussi Andrea Luzardi, le gars qui a fait les premiers commits de Docker et qui travaille maintenant sur Swarm, la solution d'orchestration, qui sera là la semaine d'après. Donc est-ce que tu pourrais aussi faire un meet-up ? Alors il faut faire crescendo, il faut faire plus gros. Alors là, je sais pas comment ils sont débrouillés, ils ont trouvé un truc encore plus énorme. C'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus. Voilà, le 18 au Bon Coin. Et puis après, on les a recontactés encore une fois pour leur dire. Puis alors, au fait, la grosse surprise, c'est que pour les 2 ans, pour la deuxième bougie de Docker, on va faire une espèce d'énorme contributathon où on va essayer d'inviter les gens à contribuer à Docker. Donc ça va être dans 15, 20, 25 villes. On va voir un petit peu comment ça prend.
pour les 2 ans de Docker, donc la semaine d'encore après. Et donc là, ça va être encore plus gros, ça va être chez 42, je crois. Le but du jeu, ça va être d'encore une fois, d'inviter les gens à contribuer, de les aider à contribuer, de un petit peu leur tenir la main pour leur première contribution, que ce soit du code, que ce soit de la doc, que ce soit des tests, que ce soit aider à trier un peu les bug reports qui sont sur Docker, etc. Et donc, tout ça, nos vaillants organisateurs de Meetup, ils ont fait pas de problème, même pas mal, on va trouver tout ça. Je voudrais, moi, en tout cas, les remercier personnellement. Vous pouvez aussi les applaudir parce que c'est... la communauté Docker Paris, c'est une des plus actives worldwide, quoi. Voilà, on n'a pas fait de top 10 ou quoi, mais sans aucun problème, c'est... une des plus grosses. Alors si jamais il y en a que ça intéresse, contributaton, c'est docker.party l'adresse avec toutes les informations. Sur ce, passons aux choses sérieuses. Alors, donc plonger au cœur des storage drivers de Docker. ça marche. Donc je suis Jérôme Petazzoni, je travaille à Docker. J'ai un titre assez rigolo sur ma carte de visite, je suis tinkerer extraordinaire, ça veut dire bricoleur de génie peut-être. Je suis aussi français, d'habitude je dis aux gens, comme vous pouvez le remarquer avec mon accent, là j'ai même pas besoin de faire cette blague. J'ai un petit peu d'expérience avec les containers, puisque ça fait un peu plus de 4 ans que je travaille avec Docker. J'étais avec Docker avant que ce soit Docker, quand on faisait .cloud, du platform as a service, et je dirigeais l'équipe Ops. Et donc c'était moi le chief personne qui se réveille la nuit quand les serveurs sont en carafe. Le programme pour aujourd'hui, donc je vais faire une introduction très 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 courte à Docker parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens ici qui savent très bien de quoi on parle, mais au cas où il y en aurait quelques-uns qui ne connaissent pas Docker, je vais au moins pouvoir situer le contexte, histoire qu'ils ne soient pas complètement perdus. Ensuite, je vais faire une petite intro à un mécanisme qui s'appelle le copy on write et qui est essentiel à Docker. Je vais ensuite faire un petit historique des différents storage drivers qui sont disponibles dans Docker. Et après, je vais les voir les uns après les autres de manière itérative, AUFS, BetterFS, le Device Mapper, Overlay, OverlayFS, VFS, et après, on va conclure. Alors, petite intro à Docker. Docker, c'est une plateforme avec le Docker Engine, qui est une sorte d'hyperviseur pour faire tourner des containers, pour simplifier, et un Docker Hub, donc, qui est une plateforme qui contient des images de containers toutes faites, et puis des services pour automatiser le build de ces containers. C'est un projet open source, donc tout le monde peut contribuer. C'est écrit en Go, donc un nouveau langage assez à la mode. Et au niveau de l'architecture, il y a un démon Docker, donc il y a un truc qui tourne en tâche de fond sur votre machine. Et ensuite, on parle à ce démon Docker à travers une API REST. Donc il y a un petit client Docker, on fait Docker run, Docker ceci, Docker cela. Et quand on fait ça, en fait, on envoie des commandes au démon qui tourne derrière. Si jamais vous voulez une vraie introduction à Docker, plus longue que ce slide, on fait des Docker 101, enfin des intros à Docker, quasiment tous les mois. Et en général, il y a un enregistrement que vous pouvez voir en ligne. Alors, on fait un enregistrement tous les mois. Pourquoi ? Parce que le projet Docker, il évolue quand même assez vite. Ça vaut le coup de tous les mois refaire une version un peu plus à jour. Et donc, il y en a une là qui a été faite il n'y a pas longtemps, qui est dispo sur YouTube. Ces slides-là seront en ligne, donc vous pourrez cliquer sur le lien là plutôt que d'essayer de prendre une photo à l'arrache vite fait pendant que je parle. Alors Docker en action, ça ressemble à ça. Donc là, je suis sur ma machine par exemple, et puis je fais Docker run, -ti, Python, bash. Quand je fais ça, en fait, c'est que dans mon Docker Hub, la plateforme avec toute ma grosse bibliothèque d'images de containers, j'ai une image Python pour faire tourner du Python. Si vous n'aimez pas Python, il y en a aussi pour Java, Ruby, Node, etc., etc. Mais pour mon exemple, j'ai choisi Python. Donc quand je fais ça, je me retrouve avec un container, donc une espèce de petite machine virtuelle très légère dans laquelle j'ai Python qui est disponible. Et dedans, je dis que je veux lancer un shell bash. Donc là, la ligne d'après, je me retrouve dans mon container, je suis root, at, un identifiant de container, et j'utilise pip, le package manager de Python, puis je fais pip install IPython, qui est un interpréteur Python un peu plus sympa. Bon, ça installe IPython, et puis ensuite je peux lancer IPython, et je peux utiliser IPython. Si jamais vous ne connaissez rien au monde Python, vous pouvez remplacer ça par IRB dans le monde Ruby, par un REPL en Node.js, ou dans le monde Java, je ne sais pas comment s'appelle l'échelle interactive en Java comme ça, mais il y en a très certainement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là ? On a créé un container qui avait son propre système de fichiers, sa propre pile réseau, donc ce container avait sa propre adresse IP, il avait son propre espace de processus, c'est-à-dire que si jamais j'avais utilisé PS dedans, j'aurais vu juste mon process bash et puis mon process Python, et j'ai installé donc pip là-dedans. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ?
Je n'ai pas fait une copie complète de l'image Python, parce que ça aurait été lent, ça aurait pris de l'espace disque, de la mémoire, etc. etc. J'ai fait l'installation en fait, de mon IPython dans mon petit package, dans un container, pas dans l'image originale. C'est-à-dire que je n'ai pas modifié mon image Python existante, j'ai juste modifié une copie de cette image, mais une copie qui n'est pas une copie, puisque quand j'ai lancé mon container, ça s'est fait très vite grâce à un mécanisme qui s'appelle le copy-on-write. Alors le copy-on-write, c'est un mécanisme qui est essentiel à l'informatique moderne, et pas que moderne en fait. Grâce à ce mécanisme, quand je crée un container, au lieu de faire une copie de quelques centaines de mégaoctets, voire plus quand j'ai des environnements plus lourds, j'ai juste utilisé à peu près un méga de disque à la louche et un tout petit peu de mémoire, et du coup mon container il s'est lancé en une fraction de seconde au lieu de le temps que ça prend pour copier quelques centaines de mégas. Alors petite intro au copy on write, sachant que je suis pas du tout, j'ai pas fait de grandes études d'histoire épistémologique de l'informatique pour vous sortir ça. Donc c'est le copy on write tel qu'on me l'a conté. Le copy on write, c'est important, il y a un copy on write pour la mémoire. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi des cours de système Unix, le seul moyen dans un système Unix pour créer un nouveau process, c'est de faire une copie du process existant avec une fonction qui s'appelle fork. Ça veut dire que dans votre shell, quand vous tapez ls, vous ne lancez pas vraiment un nouveau process ls. Votre shell se duplique. Maintenant, j'ai deux shells. Il y en a un qui va attendre sagement que l'autre ait fini son boulot et l'autre qui va utiliser exec. Alors exec, c'est un petit peu comme un serpent qui mue. Ça remplace le processus courant par un autre processus. Donc j'ai mon shell, mon bash qui se transforme en ls. Donc il va lister le répertoire courant. Et puis ensuite, mon shell original fait « bon, bah t'as fini, c'est bien, on continue ». Mais donc le seul moyen de créer un nouveau process, c'est de faire un fork, donc de faire un clone d'un process existant. Et ça, donc ça veut dire faire une copie de toute la mémoire de ce process, de tout l'état de ce process. C'est vraiment un clone, j'ai deux process identiques qui se mettent à fonctionner côte à côte. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui sait qu'il est l'original et l'autre, il sait qu'il est la copie. Mais en dehors de ça, ils font la même chose. Ça, c'est très pratique, par exemple, pour Redis. Alors, Redis, c'est un key value store, donc qui est in memory, mais qu'on peut aussi sauver sur disque. Donc, c'est un petit service, vous vous connectez dessus, puis vous pouvez faire des gets et des sets. On peut l'utiliser comme un mécanisme de cache, mais plein d'autres choses aussi. Toujours est-il que c'est en mémoire et qu'il y a une commande qui peut dire, on peut dire à Redis, save. Je veux sauver l'état de ma mémoire, de la mémoire de mon Redis, et je veux faire une sauvegarde consistante. Consistante, ça veut dire quoi? C'est que faire une sauvegarde, c'est jamais instantané. Il faut écrire des données sur disque. Les disques, c'est quasiment la chose la plus lente de toute l'informatique, enfin, en tout cas comparé à la mémoire, au cache, au processeur, etc. Donc entre le moment où je vais commencer ma sauvegarde et le moment où je vais terminer ma sauvegarde, il y a potentiellement des milliers ou des millions de choses qui vont changer dans mon Redis. Donc j'ai plusieurs options. C'est ou bien c'est attention, je fais une sauvegarde, donc j'arrête tout, je commence à écrire mes données, et puis une fois que j'ai fini, je reprends mes opérations. Donc là, du coup, mon programme qui était en train d'utiliser Redis, il a le temps de prendre pas mal de café en attendant que ça écrive sur disque. Une autre option, c'est de dire, bah, je m'en fiche, en fait, je vais faire ma sauvegarde sur disque. Et puis pendant que ça fait ma sauvegarde sur disque, je vais continuer à bosser. Alors du coup, le problème, c'est que dans ma sauvegarde, le début de ma sauvegarde, ça va correspondre à mes données telles qu'elles étaient à un instant T. Et la fin de ma sauvegarde correspondra à mes données à un instant T plus quelque chose. Exemple, si jamais je suis en train de prendre de l'argent dans un compte à un endroit et le mettre à un autre, bah dans ma sauvegarde, peut-être que je vais arriver dans un état où l'argent il a été pris sur les deux comptes ou donné sur les deux comptes. En tout cas, ce ne sera peut-être pas consistant. Alors avec le copy on write, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait donc un fork. Donc maintenant, j'ai deux exemplaires de mon Redis qui sont parfaitement identiques avec les mêmes données. Il y en a un qui va continuer à recevoir des requêtes, les traiter, donc les données vont bouger. Et l'autre, qui est la copie, lui va faire son save sagement et ensuite s'en aller. Et grâce au copy on write, puisque en fait mes deux process sont identiques et sont une copie l'un de l'autre, bah, ma sauvegarde va être consistante. Mais alors, copy on write, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas vraiment copier toute ma mémoire parce que ça serait long, puis ça coûterait cher en mémoire. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer chacune de mes pages mémoire, chacun de mes morceaux de mémoire, par une sorte de petite étiquette qui dit « bon, celle-là, en fait, c'est une copie de l'autre là-bas ». Comme ça, en fait, au début, quand mon clone de processus apparaît, au lieu d'avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5 gigas de mémoire, j'ai juste besoin de la place qu'il faut pour ces petites étiquettes qui pointent de l'autre côté.
Et du coup, au moment où l'un des processus va vouloir faire une écriture à cet endroit-là, là, à ce moment-là, le système va faire « Oh là là, il faut que j'intercepte cette écriture-là et que je fasse une copie pour de vrai. » C'est un petit peu comme si vous étiez dans une bibliothèque, qu'on vous prête un bouquin et qu'on vous dit « Tu peux prendre toutes les notes que tu veux dessus, t'inquiète pas, c'est comme si c'était le tien. » Sauf qu'on n'a pas fait une photocopie des 250 pages du bouquin, parce que ça serait long et cher. Mais alors, ce qui se passe, c'est magique, c'est qu'au moment où vous sortez votre stylo et que vous l'approchez de la page, il y a quelqu'un qui arrive et qui fait « Oh, bouge pas », il fait une copie de la page, il dit « Tiens, ça c'est ta copie, tu peux griffonner dessus si tu veux. » Le copy on write, ça marche comme ça. Donc, comment ça marche? Techniquement, ça marche grâce à un truc qui s'appelle la MMU, la Memory Management Unit. La MMU, c'est ce petit truc magique qui va être capable d'intercepter le stylo avant qu'il touche la page, enfin concrètement d'intercepter le CPU avant qu'il touche la page mémoire pour aller écrire dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe quand justement on se met à essayer d'écrire dans un endroit qui est en copy and write? La MMU, en fait, elle va avoir pour chaque plage de mémoire un comportement différent. Par exemple, si jamais justement je suis en copy on write, c'est ce qui va se passer, ce fameux hop, je t'intercepte, je fais une copie de ta mémoire, et maintenant tu peux écrire dans ta propre copie à toi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du C? Bon, pas mal. Parmi tous ceux-là, vous avez tous eu des segfaults. Rassurez-moi, bon, ça va, je ne suis pas le seul. Les segfaults, ça marche aussi avec ça, avec la MMU, c'est qu'il y a des zones de mémoire dans lesquelles on n'a pas le droit de lire ou d'écrire parce que c'est de la mémoire qui n'existe pas. Et donc, quand on essaye de lire ou écrire quand même dedans, et la MMU, c'est pareil, elle va intercepter ça. Et puis donc, elle va demander au noyau, alors cette zone de mémoire, là, il y a quelqu'un qui a essayé d'y toucher, alors qu'on m'avait dit que ce n'était pas possible, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que le noyau va décider de faire une copie de cette zone ou de dire, non, là, il n'y a rien, donc je fais une segmentation fault, j'arrête le programme. Ou bien, en fait, peut-être que cette zone de mémoire, c'était la mémoire qui a été écrite sur disque, parce qu'on n'avait plus assez de mémoire, on l'a swappée. Donc à ce moment-là, on va la recharger depuis le swap, etc., etc. Le copy on write, ça existe aussi pour le disque. Et là, on commence à s'approcher un petit peu de ce que fait Docker. Initialement, le copy on write sur le disque, c'était surtout utilisé pour faire des snapshots, donc des sauvegardes consistantes, comme mon histoire avec le Redis, là où je fais un clone de mon Redis, afin de faire une sauvegarde en prenant mon temps de mon clone pendant que l'original continue de servir des requêtes. Là, c'est pareil, mais cette fois-ci, au lieu d'être Redis en mémoire, c'est une base de données type SQL sur disque. Le copy on write, c'est quand même relativement compliqué. C'est-à-dire que sur les processeurs, on a besoin de ce composant spécial, la MMU. Le premier copy on write sur disque, ça marchait sur des filers, c'est-à-dire des grosses armoires avec plein de disques durs, de la mémoire et des processeurs. Donc c'est comme un ordinateur, mais qui sert que à gérer des lectures-écritures. Et donc, on ne pouvait pas faire de copy on write comme ça sur nos ordinateurs, parce que c'était compliqué, en gros. Et puis, un beau jour, le cloud est apparu, on s'est mis à utiliser le copy on write pour faire du thin provisioning de VM. Le thin provisioning, c'est un mécanisme dans lequel je pars de la constatation suivante. Je suis hébergeur, j'ai plein de clients, parce que je suis un bon hébergeur, et il y en a beaucoup, en fait, ils font du WordPress, pas de bol. Ils sont plusieurs milliers à tous vouloir faire du WordPress. Ils ont tous la même distro Linux, avec le même Apache, le même PHP, avec la même faille de sécu, le même WordPress, etc. etc. C'est un petit peu dommage, parce que j'ai des milliers de machines qui ont exactement, du coup, les mêmes données sur disque. Et c'est même pire que ça, c'est que j'ai des milliers de personnes qui vont toutes faire la même installation de manière complètement stupide. Alors je vais suivre la how-to qui dit qu'il faut que j'installe ces packages-là, que je télécharge WordPress comme ci, que je fasse ça. À la place, je pourrais faire une installation de WordPress unique, avec peut-être un peu moins de trous de sécu. Et puis ensuite, je pourrais dire aux gens, si vous avez besoin de WordPress, vous pouvez faire une copie de celle-là, en fait, si vous voulez. Je vais leur donner une petite option, là, quand ils installent leur serveur, ils pourront choisir entre CentOS, Fedora, Ubuntu, Debian, Gentoo, WordPress et plein d'autres choses dans le catalogue. Donc à partir de maintenant, tous les clients potentiels qui voudront WordPress, au lieu d'installer une Debian ou une Fedora et puis de tout installer à la mimine, ils vont dire je vais prendre le WordPress existant. Et moi, comme je suis un petit malin, je vais faire du copy on write. C'est-à-dire qu'au lieu de leur donner à chaque fois 10 gigas d'espace disque, je vais leur faire comme s'ils avaient 10 gigas d'espace disque, sauf que chaque petit bout de disque, ça va être une petite étiquette qui va pointer sur l'original. Donc tant qu'ils font que lire ces données, pas de problème, je peux lire l'original. Et au moment où ils essayent de faire une écriture, c'est là que je vais vraiment leur allouer de la place disque. Concrètement, ça veut dire que vous avez besoin de 10 gigas par machine virtuelle, je vais avoir besoin de quelques mégas, quelques dizaines de mégas, et puis plus la machine vit, plus le temps passe, et plus les gens écrivent des choses, et plus on va s'approcher des 10 gigas,
Mais en tout cas, au moins au début, j'utilise beaucoup moins d'espace et je peux faire des économies, mais alors avec des facteurs d'échelle assez méchants. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du thin provisioning, du provisioning mince, parce que j'ai besoin de beaucoup moins d'espace que ce que je montre vraiment à la machine virtuelle et donc au client. Ensuite, le copy on write est arrivé sur le desktop. C'est-à-dire qu'on a des. C'est déjà ça s'est passé un petit peu par Linux. On a commencé à avoir le LVM qui permettait de prendre plein de disques et puis des fonctionnalités qu'on avait sur ces fameux SAN, ces fameuses machines qui servent juste à gérer du stockage. On les a vu arriver sur des systèmes comme Linux, BSD, Solaris. Donc ça a pris la forme du LVM sous Linux. ZFS, qui est le The Final World in File Systems sur Solaris, puis ensuite sous BSD Linux. Après, il y a BetterFS qui est apparu sous Linux et qui est l'avenir des file systems. Enfin bon, ça fait 10 ans que ça vient des file systems, donc il y a peut-être un moment donné où ça le deviendra vraiment. On a aussi des systèmes qui marchent par copie de fichiers, comme AUFS, Union Mount. Je vais détailler un petit peu tout ça. Mais toujours est-il que ces mécanismes copy on write, au lieu d'être des choses qu'on avait uniquement sur des bêtes disques, bah, c'est des choses qu'on a eues sur nos ordinateurs de bureau, ou nos portables, etc. Et ça, pour Docker, ça a été essentiel. Parce que si on n'avait pas le copy on write sur nos ordinateurs, en fait, quand on lancerait un container, bah, faudrait attendre le temps de copier complètement le système. Donc mon Docker run Python de tout à l'heure, au lieu de prendre un dixième de seconde, il prendrait 2, 3, 4, 5, 6, 10 secondes en fonction de la vitesse de ma machine. Quand je fais un Docker run d'une plus grosse appli, ça pourrait prendre plusieurs minutes. Alors qu'aujourd'hui, avec le copy on write, même quand je fais un Docker run d'une base de 5 Tera, bah, ça prend moins d'une seconde parce que c'est tout, quoi. Donc si jamais on n'avait pas eu de copy on write, Docker, ça aurait jamais eu l'engouement que ça a eu aujourd'hui, parce qu'une partie du wow effect de Docker, c'est que je lance un container et ça va très 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 vite. Et donc si Docker n'avait pas été aussi populaire, aujourd'hui, au lieu d'avoir un meetup Docker, on aurait sûrement un meetup sur le rasage de Yak ou un truc comme ça, et ça serait vachement moins sympa. Donc là, j'ai un slide de remerciements sur c'est une liste non exhaustive, mais des gens qui ont fait des contributions assez majeures à tous ces systèmes copy on write. Donc l'auteur d'AUFS, qui a été le premier système utilisé par Docker, Chris Mason, qui est l'initiateur de BetterFS. J'ai fait une petite vanne un peu méchante sur BetterFS, mais c'est quand même un système très ambitieux et qui est promis un bel avenir. Bonwick et Ahrens, qui sont les créateurs de ZFS, etc., etc. Je prends des risques avec des slides comme ça parce que j'oublie sûrement des gens qui mériteraient au moins tout autant d'être là-dessus, mais je préfère en oublier quelques-uns plutôt que de ne pas les remercier du tout. Alors, un petit historique maintenant des storage drivers de Docker. Quand on a sorti Docker il y a presque 2 ans, puisque c'est bientôt le 2e anniversaire, on sortait en fait de .cloud. Donc on avait fait tourner des containers en prod pendant plus de 3 ans. Et on utilisait AUFS, parce que AUFS, en gros, c'était le seul qui marchait à peu près correctement. Alors oui, AUFS avait plein de défauts, mais j'aime bien dire que AUFS, c'était le système copy on write le plus pourri du monde, à l'exception de tous les autres, ce qui en faisait quelque part le meilleur, même s'il y a des gens qui ne veulent pas l'avouer. Donc on a utilisé AUFS pendant des années, et c'était très adapté, parce que AUFS est capable d'avoir une utilisation très optimale de la mémoire. Si je lance une centaine de containers avec la même image, cette image, en fait, elle va être présente qu'une seule fois en mémoire, par opposition à ce que vont faire BetterFS, ZFS, etc., où là, mon image va être copiée plusieurs fois en mémoire. AUFS, il y avait un petit problème, c'est que ce n'était pas intégré dans le noyau Linux mainline. Quand vous allez sur ftp.kernel.org, il y a un noyau qui est le noyau officiel, et ben AUFS n'était pas dedans. Ça veut dire que si vous vouliez AUFS, il fallait prendre les sources du noyau, aller sur un autre site, chercher les patchs AUFS, appliquer les patchs AUFS, recompiler votre noyau. Donc déjà, il fallait apprendre à compiler le noyau. Et puis en plus, les containers à l'époque, ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, niveau sécurité, ça fait couler beaucoup d'encre. À l'époque, c'était une vaste blague. Donc pour que les containers ne soient pas des passoires géantes, où il y a plus de trous que de plastique, on utilisait un système qui s'appelle GRSEC, qui permet d'avoir une sécurité assez forte entre des processus, container ou pas container, mais qui est aussi un patch qu'on trouve sur un autre site et qu'on rajoute au noyau. Et puis on avait quelques autres petits patchs comme ça en plus pour gérer nos containers. Donc ça veut dire qu'on se retrouvait à maintenir un kernel complètement custom avec un empilement de patchs extrêmement périlleux, et c'était vraiment pas très drôle. Donc
mine de rien, il y a quand même des gens qui croyaient en un UFS, même si ce n'était pas parfait. Bon, déjà, nous, on y croyait. Ensuite, Debian et Ubuntu utilisent AUFS pour leur live CD. Le principe d'un live CD, c'est que bah, vous avez un CD, ou maintenant une clé USB, parce que les CD, c'est un peu has-been, qui contient un système Linux en lecture seule. Alors, sur un CD, ça se comprend, parce que pour écrire sur un CD, c'est un peu compliqué. Et puis, une clé USB, bah, c'est pour éviter d'écrire comme ça directement sur une clé USB et puis de casser le système. Mais donc, le principe d'un Linux live, c'est que j'ai un système en lecture seule, et après, j'ai une couche copy on write, tiens donc, qui fait qu'à chaque fois que je vais avoir besoin de modifier mes fichiers, au lieu de modifier mon image étalon qui est en lecture seule, bah je fais mes modifs sur une couche qui est au-dessus. Et comme ça, au pire, si je casse tout, je peux jeter ça à la poubelle et revenir sur mon image initiale. Et donc Debian et Ubuntu utilisaient ça pour leur live CD. Donc ça veut dire que les noyaux Debian et Ubuntu étaient livrés par défaut avec AUFS. Ce qui tombait plutôt bien parce qu'on utilisait nous Ubuntu. Donc du coup, quand on a sorti Docker, on a fait, bah regardez, Docker, c'est super, utiliser AUFS, donc si vous êtes sous Debian et Ubuntu, c'est génial. Donc tous les gens qui étaient sous Debian et Ubuntu furent extrêmement heureux de cette nouvelle. Les gens qui étaient sous autre chose, beaucoup moins. Il y a des utilisateurs Red Hat qui sont allés voir Red Hat avec des fourches, des torches et tout, et qui ont dit, il y a Docker, là c'est super chouette, nous aussi on veut Docker, c'est quoi cette histoire là? Pourquoi on ne peut pas avoir Docker? Donc nous on leur disait, bah, c'est facile, tu prends un kernel que tu compiles toi-même avec AUFS dedans et tu pourras avoir Docker. Le problème c'est que les gens en général qui font tourner Red Hat, c'est parce qu'ils veulent de la fiabilité, ils veulent du support, donc ils prennent le noyau officiel qui est avec du béton armé coulé dedans et tout. Si on leur dit, bah non, tu prends notre noyau compilé sur un coin de table, etc., bah, ils n'ont plus de support, la stabilité on ne sait pas trop où elle est passée, donc ça ne leur va pas du tout. Donc Red Hat est venu nous voir et puis dit, bon bah comment on fait pour que Docker ça marche sur Red Hat sans tout casser. On dit bah peut-être que vous pouvez essayer de convaincre les développeurs noyaux de merger à UFS. Donc ils sont allés voir ce qu'on pouvait faire. Puis après ils sont revenus, ils ont fait bon, refais voir la carte du Moyen-Orient là. et puis il dit bon non, merger UFS ça va pas être possible. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors on a brainstormé avec eux. BetterFS ça paraissait une bonne idée, on l'a mis sur la roadmap, mais on a trouvé un truc encore mieux, Device Mapper. Parce que Device Mapper, c'est un truc qui avait été mergé par Red Hat il y a longtemps déjà, donc c'était stable, donc on pouvait construire dessus. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des ingénieurs de chez Red Hat qui ont rajouté le support Device Mapper dans Docker, donc pour qu'il puisse marcher sur virtuellement toutes les distros Linux, avec tous les kernels. Après, ils ont rajouté BetterFS, après ils ont rajouté OverlayFS, enfin bref, au niveau stockage, ils ont quand même fait pas mal de choses, donc eux aussi, je leur fais un gros big up à Alex Larson et Vincent Batz qui ont été les deux gars de chez Red Hat qui ont fait pas tout le code correspondant à ça, mais ça a vraiment été les leads là-dessus. Quoi. Ça a été un plaisir de bosser avec eux. Ils continuent d'ailleurs à maintenir ce code. Hein, ils sont toujours très impliqués. Red Hat est toujours un contributeur majeur de Docker. Alors voyons donc maintenant un petit peu tous ces storage drivers les uns après les autres, leurs avantages, leurs inconvénients, comment ça marche. Alors à chaque fois, ce que je vais faire, c'est expliquer un peu le principe de fonctionnement, parler un tout petit peu de détails d'implème, mais pas en mode, alors dans la fonction Golang à la ligne 57, là on utilise un map parce que c'est beaucoup plus rapide, mais plutôt en mode, voilà les répertoires où se trouvent les fichiers, pour que si vous êtes en train de penser à passer du Docker en prod ou quasi-prod, ou etc., et que vous vous dites, bon, le jour où ça pète, où est-ce que je commence à chercher, ça vous donnera des points d'entrée. Alors AUFS, comment ça marche ? Avec AUFS, en fait, je vais avoir plusieurs répertoires et je vais empiler ces répertoires de telle manière à ce que lorsque je vais essayer d'accéder à un fichier, si jamais j'essaye de faire un accès en lecture, je vais chercher dans chaque répertoire les uns après les autres. Un petit peu comme si c'était des plaques de verre avec des dessins dessus. Et puis je me mets au-dessus et je dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Et puis bah, en fait, donc, je regarde toutes les plaques de verre les unes après les autres jusqu'à trouver celle où il y a quelque chose d'écrit dessus. Ça, c'est pour un accès en lecture. Par contre, quand je fais un accès en écriture, je n'ai pas le droit d'écrire sur les plaques de verre du bas, j'ai le droit d'écrire uniquement sur la plaque de verre du haut. Donc je vais toujours écrire sur la plaque de verre du haut. Par contre, comme les systèmes de fichiers Unix, c'est quand même un petit peu plus compliqué que des plaques de verre, quand je vais ouvrir un fichier en écriture, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder est-ce que mon fichier existe déjà dans mon layer, dans ma couche du haut. Bah, si oui, ok, bah, je l'ouvre, j'écris, tout va bien. Sinon, je vais chercher si ce fichier existe sur les couches en dessous. Parce que imaginez par exemple, je suis sur un système comme ça, donc j'ai une série de couches,
et je veux ajouter un utilisateur. Donc en fait, je vais écrire dans slash etc slash password. Ce que je veux, c'est absolument pas changer le fichier slash etc slash password qui est dans la couche tout en bas là, avec mon système de base. Donc ce qui va se passer, c'est que ok, je veux ouvrir etc password en écriture. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Ah tiens, il est dans cette couche-là. On va faire un copy-up, c'est-à-dire qu'on va prendre ce fichier, on va le copier en haut, et une fois qu'on l'aura copié, on va le modifier. Ce qui pose un petit problème si jamais les fichiers en question sont très gros. Par exemple, si c'est des gros fichiers de log ou des gros fichiers de données, le fait de l'ouvrir en écriture, même pour ajouter une ligne à la fin, même pour ajouter rien du tout au final, ça va être très lent, parce qu'au moment où je vais faire mon ouverture, bah, le système va copier le fichier et il me rendra la main à la fin. Petit autre détail technique, quand on veut effacer un fichier, du coup, il faudrait pouvoir mettre une espèce de coup de Tippex sur nos plaques de verre. Bah, c'est exactement ce qu'on fait. On crée ce qu'on appelle un fichier whiteout, donc qui va s'appeler .wh. Comme whiteout, et puis le vrai nom du fichier. Donc par exemple, si jamais j'essaye d'effacer le fichier etc shadow dans un container, et ben dans ma couche là tout en haut, en fait, ça va créer un fichier .wh.shadow qui veut dire ici, avant, il y avait un fichier shadow. Et donc, quand je vais essayer d'ouvrir maintenant le fichier shadow, au lieu de descendre toutes les couches jusqu'à trouver mon fichier qui était là, ça va s'arrêter en haut parce que ça va trouver le .wh.shadow qui va dire « Ah, il n'y a plus de fichier en fait ». Voilà, alors en pratique, tous les points de montage pour les containers avec Docker en AUFS, c'est dans var leak Docker, AUFS, MNT, et là, c'est l'idée du container. Un petit détail, si vous voulez aller inspecter là-dedans, voir ce qui se passe, c'est que ce système de fichiers est monté uniquement pendant que le container tourne. Docker va monter ça en fait juste avant de démarrer le container, et aussitôt que le container s'arrête, Docker va démonter le système de fichiers. Ça, c'est pour éviter que, si jamais vous avez un système avec des milliers de containers, vous ayez des milliers de points de montage AUFS, parce que ça ralentirait un petit peu le noyau. Cette partie-là est pardon, faite pour ça. Ensuite, si vous voulez voir les différentes couches, les différentes plaques de verre, là, ça va être dans var leak docker aufs diff. Et là, ce que vous allez trouver, ça va être ou bien l'idée d'un container pour la plaque sur laquelle on peut écrire, ou bien l'idée d'une image Docker pour les plaques qui sont en lecture seule. Voilà. Si jamais vous voulez voir exactement toutes les couches qui correspondent à un container, vous pouvez chercher le point de montage exact d'un container dans procmount. Ça va vous donner un identifiant bizarre SI quelque chose que vous pouvez retrouver dans cet autre fichier là dans slash 6 et qui va vous donner la liste de toutes les branches utilisées par le container. Encore une fois, ça c'est pour le jour où il y a vraiment tout qui est pété et vous êtes en train de chercher par terre les miettes de votre système de fichiers pour essayer de reconstruire la base qui est corrompue. Exemple, j'ai un container donc C7AF quelque chose, donc je le cherche dans procmount. Je tombe sur une ligne qui ressemble à ça. J'ai SI égale 2344 blablabla. Et ça, en fait, cette chaîne de caractères-là, je vais la trouver dans le fameux fichier dans slash 6. Et ça me donne toutes mes branches AUFS ici. Et en fait, chacune de ces branches correspond exactement à l'historique du container en termes de layer. Là, on voit j'ai 5111, 53F8, 83. Ben, c'est, en fait, ça correspond aux identifiants qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on peut optimiser, qu'est-ce qu'on peut tuner, qu'est-ce qu'on peut faire avec AUFS? Alors, ce qui est bien avec AUFS, c'est qu'un mount, c'est extrêmement rapide. La seule chose qu'on crée quand on crée un container avec AUFS, c'est qu'on crée un répertoire tout en haut, et après on fait un mount. Donc ça va. La lecture-écriture, je dirais, séquentielle, c'est-à-dire une fois qu'on a ouvert un fichier et qu'on lit et qu'on écrit dedans, ça se passe à des vitesses natives. C'est exactement le même chemin, enfin le processeur, etc., exécute le même code que quand j'écris dans un système de fichier ordinaire. En revanche, comme je disais tout à l'heure, quand on fait un open, là, ça coûte plus cher. Alors, d'une part, il y a le fameux copy-up, qui fait que si jamais j'ouvre un fichier qui est dans une couche en lecture seule, il va falloir le copier dans la couche en lecture-écriture. Et puis, un autre problème qui est passé inaperçu pendant très longtemps, que j'ai baptisé la stat explosion, c'est quand vous avez beaucoup de layers, donc quand vous avez un container Docker, une image Docker qui est construite avec, mettons, 100 layers, ce qui est beaucoup, mais ça peut arriver, et que dedans vous faites par exemple du Java avec un gros class path, ou du Python avec un gros Python path, ou du Ruby avec un gros Ruby path, enfin bref, quand vous avez plein de répertoires dans lesquels il y a des modules qu'on charge à la volée ou pas d'ailleurs, à chaque fois vous allez essayer de charger une classe ou un package ou un module, enfin peu importe comment on appelle ça dans votre langage favori, à chaque fois
Vous allez essayer, donc, par exemple en Python, si vous faites import Toto, vous allez chercher Toto.py dans donc une cinquantaine de répertoires, mettons. Et pour chacun de ces répertoires, vous allez chercher dans chacune des couches. Donc là, ah, premier répertoire, première couche, deuxième couche, troisième couche, centième couche. Ah ben, j'ai pas trouvé Toto.py. Cherchons dans le deuxième répertoire, première couche, deuxième couche, etc., centième couche. Bref, vous allez faire 5000 stats pour essayer de voir si ce toto.py, il existerait ou pas. S'il n'existe pas, ça fait beaucoup de bruit pour rien. Accessoirement, avec Python, on cherche non seulement un point .py, mais aussi un point .pyc et un point .pyco, donc c'est mot compte triple. Donc ça, ça a l'air de rien, mais ça fait que quand on lance des programmes qui utilisent beaucoup de bibliothèques ou beaucoup de dépendances externes comme ça, le lancement, il est très très lent et on commence à avoir un décalage de perf entre le lancement natif et pas natif. Donc c'est pas terrible. On n'avait jamais vu ce problème-là avant parce qu'on n'avait pas beaucoup de layers nous quand on faisait tourner UFS en prod. Mais là maintenant qu'avec Docker on abuse complètement des layers et qu'il y a des gens qui en ont une centaine, ça commence à faire assez mal. D'autre part, à UFS, j'ai dit que c'était le meilleur à l'exception de tous les autres, mais enfin, non, pardon, c'est le plus pourri à l'exception de tous les autres, donc ce qui veut quand même dire que c'est le plus pourri, ce qui veut dire qu'il y a des effets de bord, ce qui veut dire que il y a certaines choses, si vous le faites tourner dans de la UFS sans prendre de précautions, ça va mal se passer. Par exemple, MongoDB, qui fait du Mmap, ou même le Mmap en général, mais bon, MongoDB, on l'utilise à fond, donc ça apparaît assez vite. Alors, ça s'explique très simplement. C'est que, imaginez que vous projetez un fichier en mémoire en lecture seule. Bon, ben, à UFS, il fait « Ah, ouais, c'est une lecture seule, donc je vais aller chercher. Ok, ton fichier, il est là, je peux le projeter en mémoire, tout va bien. » Ensuite, vous faites une deuxième projection de ce fichier en mémoire, mais cette fois-ci en lecture-écriture. Ah ben, cette fois-ci, il va falloir copier ce fichier-là sur la pile tout en haut. Normalement, le fonctionnement habituel des projections mémoire, c'est que si jamais vous projetez un fichier en mémoire en lecture seule et ensuite le même fichier en lecture-écriture, si là vous faites une modification dans la partie lecture-écriture, cette modification va être visible dans l'autre endroit qui a fait une projection en lecture seule. Avec AUFS, comme au final vous projetez deux fichiers différents, puisque le fichier il a été copié en haut, vous n'avez pas tout à fait le comportement attendu. Bon alors notre remédiation chez Dotcloud à l'époque, c'était de toute façon toutes les données importantes, les mettre dans des volumes, c'est-à-dire des bind mount, c'est-à-dire en dehors d'AUFS, comme ça il n'y a plus de problème. Ok. Passons à Device Mapper. Alors Device Mapper, c'est en fait, c'est pas juste pour faire du copy and write. Device Mapper, c'est un système assez complexe qui permet de prendre plein de disques et puis de faire un très très gros disque avec, avec du RAID par exemple. Ça permet aussi de gérer de la crypto, d'avoir des volumes cryptés quand on est un peu inquiet que ces secrets se fassent intercepter par la NSA. Ça permet aussi de faire des snapshots et ça permet d'avoir aussi pas mal d'autres petits effets, par exemple d'émuler de la latence ou des erreurs, etc., etc. Dans le contexte de Docker, quand on parle de Device Mapper, ça veut dire la thin provisioning target de Device Mapper. On s'occupe pas des histoires de RAID, de crypto, de etc. Alors, comment ça se passe? Cette fois-ci, au lieu d'avoir un ensemble de couches avec des fichiers et puis de faire des copies de fichiers quand on veut modifier les fichiers, on travaille au niveau bloc. Donc, sous Linux, en fait, on a la couche bloc, puis on a la couche VFS au-dessus. La couche bloc, c'est que j'ai juste plein de blocs qui font tous la même taille, c'est mes disques. Et au-dessus, la couche VFS, c'est ce qui fait la traduction entre ouvre-moi, slash home, slash jpetadzo, slash point profile, parce qu'il vient de se loger, donc il faut ouvrir le fichier, etc. Donc, ça traduit entre ça, donc des notions de fichier, et des notions de bloc. C'est-à-dire que ce fichier-là, en fait, il correspond à des blocs là, là, là et là, etc. Et donc avec Device Mapper, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de faire la copie au niveau fichier, ça va être au niveau bloc. C'est-à-dire que en haut, mon système, il n'a pas vraiment notion de tiens, il faut copier le fichier parce que c'est en lecture seule ou etc. Il va juste faire des lectures et écritures sur des blocs, et c'est la couche basse en dessous qui va marquer à ce bloc-là, en fait, attention, c'est du copy on write. Donc les lectures, tu laisses passer. Par contre, les écritures, il faudra faire une duplication du bloc pour que chaque personne référençant ce bloc puisse avoir sa propre copie. Il y a un petit détail aussi intéressant, c'est que tant que vous n'avez pas écrit dans un bloc avec Device Mapper, on suppose que c'est que des zéros. C'est-à-dire qu'avec le thin provisioning target, là, vous pouvez dire, tiens, je veux un disque de 850 teraoctets. Il fait pas de problème, voilà 850 teraoctets. C'est 850 tera avec que des zéros.
Et puis le jour où vous allez écrire à un endroit dans ces 850 Tera, il va faire, il va dire, bah, tiens, là j'ai besoin vraiment d'un petit peu d'espace disque pour stocker ces données. Donc il a une espèce de grosse table avec marqué, bah, là, de 0 jusqu'à 850 Tera, c'est du vide. Là, il va mettre à jour ça pour dire, de 0 jusqu'à 400 Tera, c'est du vide. À 400 Tera plus un petit pouillable, j'ai un bloc qui est stocké là, sur disque. Et puis du 400 Tera plus un pouillage jusqu'à 850, c'est du vide. Alors en pratique, cette fois-ci, ce n'est pas dans varlib docker AUFS, c'est dans varlib docker device mapper. Là aussi, les systèmes de fichiers des containers vont être montés uniquement pendant que le container tourne. Et le pool de blocs, il est stocké dans deux fichiers data et metadata dont je vais reparler. C'est-à-dire qu'avec device mapper, en fait, on donne au device mapper une énorme brouette de blocs disques et on lui dit, bah voilà, pour l'instant, il n'y a que des zéros partout. Si quelqu'un te dit qu'il veut 850 Tera, tu lui dis, bah, tu dis oui. Et puis, quand les gens vont commencer à faire des écritures, on aura besoin de blocs. Donc voilà un gros paquet de blocs libres, tu iras piocher dedans quand on en aura besoin. Un petit inconvénient de device mapper, c'est que on travaille au niveau bloc. Donc quand on veut faire la différence entre une image et un container, bah, on est obligé de prendre l'image, prendre le container et faire la différence à la mano. Alors qu'avec AUFS, comme chaque couche c'était un répertoire, si jamais je veux voir qu'est-ce qui se passe à une couche donnée, bah, c'est facile, c'est un répertoire, je vais dedans, je regarde ce qu'il y a dedans. Alors que là, avec Device Mapper, les différentes couches, déjà, ce n'est pas vraiment des couches, et puis en plus, c'est des blocs sur disque. Donc oui, je peux trouver l'information comme quoi, bah, voilà les blocs qui sont différents entre tel container et telle image, mais ça me fait une belle jambe. Si je veux retrouver après quel fichier ça correspond, c'est pas impossible, mais extrêmement difficile. Donc si jamais vous voulez débugger un petit peu ce qui se passe avec Device Mapper, avec Docker, il y a Docker Info qui va vous donner des infos sur ce fameux pool de blocs. Donc bah, Docker a ce gros pool de blocs et puis au fur et à mesure que vous allez écrire dans vos containers, il va piocher dedans. Donc il faut aller vérifier de temps en temps qu'il reste des blocs parce que sinon Docker ne pourra plus écrire. Si jamais ça part en sucette, vous pouvez regarder un petit peu les devices qui sont existants en ce moment avec DM Setup. Donc DM Setup, c'est le couteau suisse pour Device Mapper. Donc DM Setup LS qui devrait vous lister les devices existants. Après, il y a des DM Setup Info, etc. pour aller voir exactement l'état de chaque target. Bon, il y a quelques petits détails techniques. il y a pas mal de fichiers internes avec Device Mapper qu'il ne faut absolument pas toucher ou pas essayer de bricoler, sauf quand on sait exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire quand on a écrit le code côté noyau, parce que sinon on perd nos données irrémédiablement. Je parlais tout à l'heure donc du stockage des données. Donc il y a deux gros fichiers, data qui est très gros et metadata qui est plus petit. Data, donc, qui est notre gros pool de blocs qui va être utilisé par Device Mapper. Et Metadata, c'est cette fameuse table qui dit, alors pour tel container, de 0 Tera jusqu'à tant de Tera, c'est du vide. De temps à temps, c'est tel bloc. De temps à temps, c'est du vide. Là, c'est encore des blocs. Là, c'est une zone copy on write. Donc, quand on écrit, il faut la dédupliquer et puis copier ailleurs, etc. Alors, il va sans dire que si vous touchez un de ces deux fichiers, vous risquez de vous tirer une balle dans le pied, mais d'une force phénoménale. Data, vous pouvez aller éditer directement bah, les blocs disques. Bon, pourquoi pas. Metadata, par contre, si vous touchez quelque chose là-dedans, bah, vous allez foutre en l'air cette correspondance entre les blocs disques de containers et les blocs disques dans le pool, ce qui généralement provoquera la perte absolue de toutes vos données. Alors, un petit truc intéressant, c'est que par défaut, quand on utilise Device Mapper, Docker va créer deux fichiers, data et metadata, comme étant des sparse files. Alors un sparse file, là vous allez avoir l'impression, une petite impression de déjà vu, un sparse file c'est un fichier qui peut faire un petit peu la taille qu'on veut. Il contient des grandes séries de zéros, et pour des raisons d'optimisation, ces grandes séries de zéros, on ne les map pas sur le disque. C'est-à-dire que par exemple j'ai peut-être un fichier de 1 giga, j'ai un peu de données dedans, mais j'ai surtout beaucoup de zéros. Donc le système il va être capable de dire de telle zone à telle zone, c'est que des zéros. Donc du coup, quand je vais faire des lectures, bah, ça va me renvoyer des grandes séries de zéros. Et quand je vais faire une écriture, le système va faire, oups, une seconde, il faut que j'alloue vraiment des données pour tous ces zéros-là. Et ensuite, on pourra écrire. C'est exactement le même mécanisme que pour le pool. C'est-à-dire que pour le pool, c'est pareil, pour mon container, j'ai une table qui me dit de telle à telle zone, c'est des zéros. Et quand je vais écrire, je vais devoir allouer un bloc. Ça veut dire qu'en fait, on va empiler deux niveaux d'allocation à la volée de blocs.
Donc, ça veut dire que quand je vais faire une écriture, la première fois en fait que je vais écrire un blog dans un container, j'ai mon device mapper qui va dire, ah bah tiens, c'est la première fois qu'on écrit là, donc j'avais une grande série là de 5 gigas, c'était que du vide, donc il faut que je la casse en deux séries plus petites, que j'alloue un peu d'espace sur disque, que j'écrive, et quand je vais écrire dans un sparse file, où je vais redérouler exactement le même sketch. Le résultat de ça, c'est que les performances en écriture sur device mapper dans le mode par défaut sont misérables. Alors, on va dire, bah, pourquoi est-ce que dans le système par défaut, avec les trucs par défaut, on a les performances comme ça? Enfin, c'est stupide ou quoi? Non, la raison, c'est que ça, c'est un mode qui peut marcher partout. L'allocation comme ça de sparse file, c'est quelque chose, quel que soit votre setup, quelle que soit votre machine, ça va fonctionner. Donc, le but, c'est de donner quelque chose qui marche partout, et puis après, donner les outils pour optimiser. Alors, pour optimiser, comment on fait? On prend un disque. Alors ça peut être un vrai disque ou ça peut être un pool de disques, ça peut être, peu importe, et on va le donner à Docker. Donc les mots-clés à retenir, c'est storage opt. On a plein d'options comme ça qu'on peut passer à Docker pour lui dire, au lieu d'utiliser ce fameux sparse file qui va donner des performances misérables, va utiliser un vrai device avec des vrais blocs où il n'y a pas besoin de faire 36 génuflexions à chaque fois qu'on a besoin d'un petit peu de place. Alors, autre détail d'optimisation, c'est que comme chaque container dispose de son propre bloc device, on peut choisir le type de système de fichiers qu'on utilise dessus. Et on peut utiliser, si on est un petit peu pervers, des systèmes de fichiers différents pour différents containers. On peut aussi ajuster cette taille-là. Le système AUFS, bah on a en fait un container peut très bien écrire des fichiers de plus en plus gros jusqu'à utiliser tout l'espace disque disponible et bloquer tout le monde. Avec Device Mapper, un container, il est sur un système de fichiers qui a une taille finie. Par défaut, c'est 10 gigas. Donc, s'il remplit ses 10 gigas, bah, ok, il a utilisé 10 gigas, mais il n'ira pas plus loin. Alors, quelques liens avec des détails sur Device Mapper, etc. Et sans transition, BetterFS. Alors, BetterFS, c'est un système qui fait le copy on write au niveau du file system lui-même. Donc, cette fois-ci, on n'est pas au niveau des fichiers, où quand je dois faire une copie, eh ben, je fais une copie du fichier. On n'est pas au niveau des blocs, où j'ai en bas un système qui n'a aucune idée des fichiers qui se passent au-dessus. C'est le file system qui va être capable de dupliquer juste les structures dont il y a besoin à chaque fois qu'on va copier des fichiers, des répertoires, etc. Donc, a priori, c'est le meilleur des deux mondes. C'est plus optimisé que UFS, plus optimisé que Device Mapper. Et donc à n'importe quel moment en fait j'ai un container dont je peux faire une photo, un snapshot en me disant hop attention là j'active le copy on write sur tout cet espace disque. Alors ça c'est la théorie. Alors en pratique, première chose pour faire marcher BetterFS avec Docker, varlib Docker doit être sur un système de fichiers BetterFS. Par contraste avec les autres systèmes où le système de fichiers du container était monté uniquement pendant que le container tournait, là il est monté tout le temps, parce que de toute façon c'est juste un répertoire dans mon système de fichiers BetterFS, donc il n'y a pas de raison de le monter ou de le démonter. Et donc, même si en théorie c'est un système génial qui combine les avantages des deux mondes, etc., etc., en pratique, ça utilise un système de journaling. Alors le journaling, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'écrire directement mes données sur disque, je vais avoir une espèce de journal de toutes les opérations à faire et je vais écrire dans ce journal pour dire là il faut mettre à jour tel fichier, ah, là il faut faire ci, là il faut faire ça. Et ensuite on va dérouler ces opérations, donc on va les appliquer. Pourquoi? Parce que si jamais on a un crash disque à un moment donné, imaginez par exemple, bah, reprenons un exemple venant du million bancaire, je prends des sous à gauche pour les mettre à droite. Imaginons que mon système décide de réorganiser ses opérations. Et puis de les faire dans un ordre différent. Si jamais mon système crash, je redémarre ma machine, je relance tout ça, je me retrouve dans un état où je ne sais pas trop. Alors est-ce que j'ai pris l'argent? Est-ce que je l'ai donné? Est-ce que j'ai fait les deux? Est-ce que j'ai fait aucun? On ne sait pas trop où on en est, on a peut-être perdu des données. Avec BetterFS, c'était très important de ne pas perdre des données parce que le fait qu'on ait ce copy on write au niveau du file system, ça rend les structures beaucoup plus complexes. Donc si jamais on se tire une balle dans le pied, on va perdre beaucoup plus de données qu'avec un système traditionnel. Donc on est obligé d'utiliser ce mode de journaling. Alors l'intérêt du journaling, c'est que quand j'ai une série d'opérations à faire, rappelez-vous, d'abord j'écris dans mon journal tout ce que je dois faire, ensuite je fais mes opérations, et une fois que je les ai faites, je peux effacer mon journal pour dire ça c'est bon, je l'ai fait. Si jamais en plein milieu de tout ça, j'ai un crash de mon système, je vais redémarrer, puis je vais regarder ce que j'ai dans mon journal.
Peut-être que les opérations qui sont dans mon journal, je les ai déjà faites ou pas, ça n'a aucune importance. Je vais juste prendre mon journal et puis le dérouler, l'appliquer sur disque. Donc ça va me garantir que mon système, même en cas de panne byzantine, va rester consistant. Mais ce que ça veut dire, c'est que toutes mes écritures, je les fais deux fois. Donc ça veut dire, puisque une première fois dans le journal, une première fois là où elles doivent vraiment aller sur disque. Conséquence de ça, ben, en gros, mes performances disque en écriture sont divisées par deux, juste. Donc quand ce qui nous intéresse, c'est d'avoir beaucoup de stockage, c'est pas grave. Quand ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du stockage rapide, il y a des gens, en fait, quand ils achètent un système avec 50 disques, c'est pas parce qu'ils ont besoin de 50 Tera, c'est parce qu'ils ont besoin que ça aille 50 fois plus vite qu'un seul disque. Pour ces gens-là, c'est un petit peu embêtant. Il y a d'autres problèmes aussi avec BetterFS, c'est que, en gros, BetterFS, il travaille avec des chunks, donc il y a des data chunks et des metadata chunks. Je ne suis pas vraiment à même d'expliquer en quoi ils sont différents, donc je préfère faire une autre explication, c'est qu'en gros, quand BetterFS, il écrit ses données, il peut écrire dans des blocs bleus ou des blocs rouges. Et donc, à un moment donné, il lui faut un bloc bleu, il prend... Derrière, il a tous les blocs libres qui sont incolores. Quand il a besoin d'écrire quelque chose dans un bloc rouge et qu'il n'y a plus de bloc rouge, bah, il prend un bloc incolore, il le peint en rouge et puis c'est parti. Quand il a besoin d'écrire sur un bloc bleu, et bah, il prend un bloc incolore et le peint en bleu et puis voilà. Le problème, c'est que quand un bloc est vide, il ne va pas le remettre dans les blocs incolores. Donc je peux me retrouver à un moment donné avec plein de blocs rouges qui sont vides et puis bah, j'ai besoin d'un bloc bleu et tous mes blocs bleus, ils sont pleins et j'ai plus de blocs. Et donc là, BetterFS, il fait « j'ai plus de place ». Vous essayez même de créer un fichier, vous faites un touch, ou même vous essayez d'ajouter un octet à la fin d'un fichier, ou même de modifier un octet dans un fichier, ça ne marche pas, ça dit qu'il n'y a plus de place. Alors que si vous faites DF, il vous dit qu'il reste encore 23 Tera. C'est un petit peu embarrassant. Alors pour ça, il y a une commande qui dit à BetterFS, bah écoute, tu vas prendre tous les blocs qui sont remplis à moins de 1%, par exemple, et puis tu vas les entasser les uns avec les autres, et comme ça, les blocs vides, tu pourras les remettre dans le pool de blocs incolores. Donc les mots-clés à googler pour ça, c'est BetterFS Balance, puisque ça rééquilibre les blocs rouges et les blocs bleus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme tuning? Bah, y a pas grand-chose à tuner. Le seul truc, c'est de surveiller donc l'espace disponible dans BetterFS, là, le fameux stock de blocs incolores. Exemple ici, c'est le même, c'est des file system. Là, donc, c'est un système où tout va bien. Donc ça me dit que j'utilise 4 gigas et que... voyons voir. Celui-là tout va bien, celui-là ça va pas. Pourquoi? Ouais, c'est ça, c'est que la ligne du haut, en fait, c'est les données qui sont vraiment présentes. Donc là, ça me dit que j'ai 4 gigas utiles et 6 gigas utilisés. Ici, ça me dit que j'ai 2 gigas utiles, enfin 2 gigas de données et 87 gigas utilisés. Là, j'ai beaucoup de blocs de couleurs qui sont quasiment vides, en fait. Alors, suivant. Overlay FS, donc ça c'est le dernier venu et c'est aussi le plus prometteur. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis le FS en gris ici? C'est parce que avant ça s'appelait Overlay FS, c'était en développement, ça a été intégré dans le noyau 3.18, donc c'est tout récent, et quand ils l'ont intégré, pour marquer le coup, ils ont enlevé le FS à la fin, maintenant ça s'appelle Overlay. Donc tous vos scripts qui faisaient des mount-t Overlay FS ou vos docker-d Overlay FS, il faut tout changer en Overlay, c'est très pratique. Alors, en théorie, ça marche exactement comme à UFS, avec quelques petites différences. On ne peut pas empiler autant de couches qu'on veut, c'est juste deux branches, une en lecture-écriture et une en lecture seule. On peut empiler d'autres branches entre elles, mais ce n'est pas comme ça que l'implémentation de Docker marche. Je vais revenir là-dessus. Si vous voulez jouer avec aujourd'hui, alors si vous êtes sur Ubuntu, bah, vous allez sur cette URL-là, vous téléchargez le package avec le kernel le plus récent, vous l'installez, vous rebootez, ça marche. Si vous êtes sur une autre distro, vous êtes grand, vous vous débrouillez. Alors, sous le capot, comment ça marche? Ça va ressembler beaucoup à UFS, c'est qu'on va avoir dans var, lib, docker, overlay, on va retrouver l'idée du container ou de l'image. Les images, à chaque fois, là, vous allez juste trouver un répertoire root qui contient l'image. Et pour les containers, vous allez avoir un paquet de répertoires que Docker utilise en fait pour retrouver ses petits. C'est-à-dire, alors, ce container-là, il est basé sur telle image, il y a besoin d'un répertoire temporaire, là, work, quand il fait le copy-up, etc., etc. Au niveau de l'implémentation, puisqu'on ne peut pas empiler 50 couches comme on fait avec AUFS, en fait, à chaque fois que Docker a besoin d'assembler un container basé donc, sur Overlay FS, il va créer un répertoire et il va faire tout un paquet de hard links vers les originaux. Donc ça marche très bien. Il n'y a pas grand-chose à tuner à ce point-là.
Il y a toujours le problème du copy-up. Quand j'ouvre en écriture un fichier qui est gros et qui est sur un layer en lecture seule, je dois le copier intégralement dans mon lecteur, dans mon layer en écriture. En revanche, il n'y a plus le problème de stat, puisque j'ai plus 50 couches empilées, donc je ne suis plus en train de traverser 50 couches à chaque fois que j'ouvre un fichier. J'en traverse que deux, donc j'ai plus ce problème-là. Le dernier, alors celui-là, ce n'est pas un vrai système copy-on-write, c'est chercher l'intrus, c'est VFS. VFS, en fait, ce n'est pas copy-on-write, c'est copy-on-copy. C'est-à-dire que quand vous faites Docker run Python bash, ça fait une copie complète de l'image Python. Ça, en fait, c'est pour les vieux admins grincheux qui disent « tout ça, c'est diablerie et compagnie ». Moi, vivant, jamais tu feras tourner notre système de prod là-dessus. À ce moment-là, il y a VFS, parce que VFS, ça ne va pas utiliser AUFS, ça ne va pas utiliser Overlay, ça ne va pas utiliser Device Mapper, BetterFS, etc. Quand ils vont lancer un container, ça fera une copie complète de ce container, et donc il n'y a pas d'effet de bord, c'est juste une copie. A priori, la commande CP sous Unix, ça fait un petit bout de temps qu'on a réussi à faire un truc correct. C'est aussi un bon système si jamais on essaye de porter Docker sur une autre archi, sur un autre type de kernel, sur lequel, par exemple, il n'y a pas tout ce système copy-on-write, parce que tous les systèmes copy-on-write qu'on a vu là, ils sont spécifiques Linux. Par contre, c'est pas très efficace et c'est assez long. Alors, en pratique, VFS, donc ça peut quand même être utile pour la prod, pour de vrai. Il y a pas mal de setups de prod où on se dit, de toute façon, je vais avoir quelques containers qui vont tourner sur chaque machine, avec quelques, peut-être au singulier, genre un. Et donc, du coup, avoir VFS, c'est pas un problème. Alors, conclusion, parce que la question quand même qu'on pose assez souvent, c'est quoi le meilleur, le rhinocéros ou l'éléphant ? La réponse, c'est que le truc qui est cool avec les Docker Storage Driver, c'est qu'il y en a tellement à choisir. Alors, c'est une citation en anglais originale, mais c'est sur les standards. Ce qui est bien avec les standards, c'est qu'il y en a tellement qu'on ne sait pas lequel choisir. Donc, c'est pareil avec les Storage Drivers. En réalité, donc, si jamais je me pose une question, quel est le Storage Driver que je dois prendre pour mon système ou ma prod aujourd'hui, si jamais vous faites du pass, ou en tout cas des containers à haute densité, c'est-à-dire que vous avez plusieurs dizaines, voire centaines de containers par machine, vous devez utiliser AUFS ou OverlayFS, parce que c'est les seuls qui vont être efficaces niveau mémoire. Les autres systèmes, si jamais vous lancez 100 fois le même container, ça va lancer 100 fois les données depuis le disque et ça va utiliser 100 fois du cache mémoire. Alors que AUFS, OverlayFS, non, ça va lire et utiliser le cache une seule fois. Cela dit, si jamais vous voulez avoir des gros fichiers et écrire dedans et les mettre dans les layers en lecture seule, comme on l'a vu, AUFS et OverlayFS sont très mauvais pour ça, donc utilisez autre chose. Dans le doute, si mais après tout ça, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, on passe en prod demain. Dans le doute, prenez le système avec lequel vous avez le plus d'expérience opérationnelle. Si ça fait 5 ans que vous faites tourner du BetterFS, que vous êtes déjà bien cassé les dents dessus, mais que maintenant c'est bon, vous avez votre ceinture noire de BetterFS, prenez BetterFS, parce que le jour où un truc vous pètera dans les doigts, vous saurez où chercher, comment réparer. Si par contre vous n'avez aucune expérience avec BetterFS, prenez pas celui-là. Pareil, si jamais vous avez l'expérience avec LVM, en fait, c'est les mêmes composants que Device Mapper. Donc là, ça peut être une bonne idée d'aller vers Device Mapper, parce que vous connaissez les outils, le terrain, etc., vous sera connu. Et ainsi de suite. J'ai une bonus track sur Discard and Trim, mais je ne vais pas en parler là parce que je suis à court de temps et je préfère répondre à des questions plutôt que de dépasser encore plus. Voilà. Avez-vous des questions ? Oui. Alors pourquoi est-ce que BetterFS serait plus lent que AUFS utilisé sur EXT4 ? Parce que par défaut, si je ne dis pas de bêtises, avec EXT4, on va faire du journaling uniquement sur les métadonnées et pas sur les données. Donc je vais être plus lent sur les opérations. Enfin, je vais être toujours lent sur les opérations de création de fichiers, effacement de fichiers, etc. Par contre, une fois que je serai en train d'écrire mes données, là ça va bien se passer. Et ça, ça se voit bien quand on met par exemple des images de VM sur du BetterFS. Alors il y a des modes après pour dire à BetterFS pareil de pas faire de journaling sur le contenu des fichiers, uniquement sur les métadonnées. La contrepartie de ça, c'est que quand notre système va tomber en carafe, s'il crache en plein milieu, au moins je serai consistant sur mes métadonnées, c'est-à-dire que mon fichier il va exister ou pas, enfin ça il n'y a pas de problème. En revanche, le contenu du fichier, lui, il sera peut-être pas tout à fait bon, mais au moins on va pas se retrouver complètement fichu. D'autres questions ? Moi, j'ai une question. Ouais. Quand on fait un Docker commit,
finalement une nouvelle couche. C'est ça au-dessus ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Quand on fait un Docker commit, on crée une nouvelle couche, mais qu'est-ce qui se passe pour de vrai ? Alors, quand on fait un Docker commit, on fait un Docker commit sur un container qui est basé sur une image. Donc, Docker, en fait, va faire le diff entre cette image et ce container, c'est-à-dire qu'il va regarder qu'est-ce qu'on a ajouté, enlevé, modifié dans ce container depuis son lancement à partir de cette image. Alors là, en fonction du driver qu'on utilise, le comportement va être différent. Il y a une implémentation générique où Docker il pose le container, l'image et il fait un side-by-side diff pour trouver toutes les différences. C'est pas très rapide. Si jamais on est sur UFS, c'est génial parce que le diff c'est exactement le layer read-write. Une fois que Docker a ce diff, il va en faire un objet layer, donc qui va être l'objet qu'il va pouvoir envoyer à la registrie le jour où on va faire un Docker push. Et il va donc c'est là qu'il va calculer l'ID de cette image, qui va mettre ce layer de côté et qui va transformer il ne transforme pas ce layer, il en fait une copie de manière à ce que ce container il puisse continuer sa petite existence tranquille si besoin est. Mais par contre, il a fait une copie pour qu'on ait une image de l'état de ce container à l'instant T. Donc en fait, une image Docker, c'est tout un tas de layers empilés. Et chaque layer, c'est une série de modifications qui ont été faites par rapport au layer du dessous. C'est un petit peu comme une série de commits dans un dépôt de code Git ou autre d'ailleurs. C'est qu'on a l'état à un instant T et puis tous les diffs qui ont permis de mener à cet état. Est-ce que ça répond à la question ? Cool. D'autres questions ? Oui ? Quels sont les storage drivers par défaut aujourd'hui en fonction des différentes distros ? Alors si je ne dis pas de bêtises, par défaut, si AUFS est disponible, il va être utilisé. Ensuite, je crois que ça essaye BetterFS, mais il faut que varlib Docker soit sur BetterFS. Et sinon, ça fallback sur DeviceMapper. Il y a peut-être un fallback sur VFS si rien n'est dispo. OverlayFS, il vient de sortir, donc je crois qu'il n'est pas encore activé dans la liste. Mais alors ce que je vous dis là, ça va sûrement changer dans la prochaine release, parce qu'on va certainement faire monter OverlayFS en haut de la pile. Mais ouais, grosso modo, c'est ça. En gros, Debian ou Ubuntu, vous allez être sur AUFS. Le reste, vous allez être sur DeviceMapper avec une config out of the box. Quoi. Oui ? La dernière couche, read-write, elle est in-memory ou est-ce qu'elle est écrite sur le disque ? Et si jamais elle n'est pas in-memory, est-ce qu'il y a moyen de l'écrire en mémoire ? Alors, la dernière couche read-write du container, est-ce qu'elle est en mémoire, sur disque ? Et si elle est sur disque, est-ce qu'on peut la mettre en mémoire ? Elle est sur disque, dans tous les cas. Est-ce qu'on peut la mettre en mémoire ? Pas simplement. Si on voulait faire ça, faudrait, je pense, écrire un storage driver qui serait inspiré de UFS ou d'OverlayFS, et où quand on crée le container, en fait, cette couche read-write, on la mettrait sur un TMPFS, par exemple. C'est ça la question. Justement, il y a un débat alors, sur TMPFS, justement, c'est de pouvoir faire ça, et notamment pour Jenkins, c'est super utile de pouvoir avoir des machines dont on se fout allègrement. Ouais, le use case, c'est en effet de pouvoir lancer un container en sachant pertinemment qu'on n'a rien à faire de persister ce container. Typiquement pour des slaves de Bill Jenkins. Je pense que c'est quelque chose qu'on finira par avoir tôt ou tard. De la même manière qu'à l'inverse, on a les containers read-only là, depuis la 1.5. On va probablement avoir un moyen d'avoir ces layers-là. Par contre, j'ai pas suivi le débat en question. Mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que ça complique quelques petites choses, parce que en gros, on peut balancer ça sur AUFS ou OverlayFS. Par contre, avec DeviceMapper ou BetterFS, ça serait plus compliqué. Donc du coup, on se retrouve avec un truc qui serait spécifique à un storage driver. Donc on se retrouverait à exposer une fonction genre Docker run -- ephemeral qui marcherait uniquement avec certains storage drivers. C'est peut-être ça qui pose problème, c'est d'arriver à trouver la bonne interface. Quoi. Oui ? Au début, tu as cité ZFS, est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Et si oui, quelle implémentation est utilisée ? Alors, j'ai parlé de ZFS, est-ce que je peux en dire un peu plus ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de support ZFS dans Docker, ou du moins pas encore. Il y a plusieurs personnes qui travaillent sur la question.
J'ai vu, je crois, au moins deux pull requests. Il y a des gens chez Gandhi qui ont travaillé là-dessus. Il y a d'autres gens ailleurs qui ont fait une proposition avec un angle d'approche un peu différent. On a besoin de gens pour tester ces pull requests, pour les tabasser et pour voir un petit peu si ça tient la route, si ça pète, etc. Parce que les core maintainers qui travaillent sur cette partie stockage, ceux qui sont actuellement dessus, n'ont pas énormément d'expérience avec ZFS. Et pour l'instant, il n'y a personne qui a envie de prendre une décision comme ça à l'arrache en disant « bah ouais, allons-y, mergeons ce truc, j'y comprends rien, mais ça doit être génial ». Donc, idéalement, ce qu'on aimerait trouver, c'est quelqu'un qui serait proche de la communauté ZFS, voire committer ZFS, et qui serait aussi gros utilisateur Docker, et qui pourrait prendre le lead sur la maintenance de ce code ZFS dans Docker. Là, ça serait le scénario rêvé, quoi. Alors, est-ce que je peux en dire plus sur le portage de Docker sur Windows? J'hésite entre répondre non ou juste oui. Alors, Microsoft va en effet porter Docker sur Windows. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire tourner des applications Windows sur Linux ou des applications Linux sur Windows. Ça veut dire qu'on va avoir un Docker sur Windows qui va permettre de faire tourner des applis Windows sur Windows pendant qu'on continuera de faire tourner nos applications Linux sur Linux. L'intérêt, en fait, c'est que ce Docker, il va avoir la même API, la même ligne de commande, la même registrie, le même protocole pour les images Docker.